Ça me fait plaisir de te voir. Excuse-moi ? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ça va bien ? Oui. Moi aussi. Pardon, désolé. C'est pas grave, on vient de commencer. Ça va ? Oui. Ah, mais toi, ça va ? Oui. J'étais avec ma mère, c'est son anniversaire. Elle va bien ? Ah, t'es là ? J'avais un problème, mais c'est réglé. Oui, oui, oui. Elle va bien. J'étais dans une randonnée et là je marchais tout en haut de cette montagne et puis je suis arrivée en haut sur une petite butte comme ça et là j'ai vu la mer et je me suis mise à pleurer. Je suis dans la rue et là je croise une personne. On prend le temps de se regarder. Lentement, posément, sans stress. Et on se sourit. Et puis après, on est reparti chacun de son côté.
Une fois, je faisais la queue dans une cantine solidaire et un homme derrière moi, avec qui j'avais parlé une fois déjà, il m'a dit « Ah, la situation est vraiment triste. Les gens ont oublié comment vivre. » Le tigre de papier, c'est... Le tigre en lui-même, c'est un animal qui est synonyme de puissance. Et le fait qu'il soit fait de papier, ça veut dire que c'est une apparence, c'est une illusion. Pour moi, un tigre de papier, c'est quelque chose de très impressionnant, mais qui en fait se renverse... très facilement. C'est même pas forcément que le tigre de papier se fait passer pour un tigre, c'est plutôt que nous, on le voit comme un tigre, alors qu'il est en papier en fait.